of everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bande de fils de Omnigueur, Sylvain, Pilin, Tulin et Tintin, aucun de ces mots définissent notre ami du Riff from the Riff. Cinquantenaire de sa cinquantaine, Sylvain est connu pour son immense savoir. Chelou, cosmique, assez bargé, nous avons un éventail d'adjectifs pouvant le définir. Populaire de ses apparitions, Sylvain est devenu depuis 2012 l'icône francophone de la diversité de notre chère net. Devenant ainsi un mème ambulant de par ses interventions naturelles et réfléchies qui n'ont pourtant aucun motherfucking sens. Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Entourloupé calomnique, sorte la symphonie. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique. C'est tout simplement une hallucination collective. Mon nom d'homme, c'est Oriana. Je suis relié à l'énergie de l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque. Je suis le grand monarque. Presse le plus d'un vaisseau. Sorti de Terre depuis que les Mayas ont carrément posé un Glock sur la tombe de la Terre, Sylvain reste un mystère. On sait tout, voire pratiquement rien de lui. On sait qu'il a créé un collectif nommé Elvita Prince de Lui, qui est en gros une association prônant le changement gouvernemental cosmique. Pardon. On sait qu'il est from Bugarach, village dont le seul intérêt était de pillonner la crémière et d'accroître le tourisme local en disant que c'était le seul lieu épargné par la fin du monde en 2012. Bah, que veux-tu dire qu'il y a des cons qui se sont ruinés pour une fin du monde qui n'arrivera jamais de leur vivant? Voici l'abri le plus cher de la série haut de gamme, entre 8 et 11 millions de dollars. Ah putain! Allez, ferme ta gueule Harry Potter et va sous l'escalier. Du coup, revenons à nos moutons, Bugarach, à part tes morts, bah personne passe par là. Et c'est là que l'ambassadeur régional fait son apparition. Je vous présente El Messire, Sylvain, du Riff. Ce messire est un peu le singe de la cour, prêt à relancer un tourisme en pleine dépression. Pourquoi? Couille-je, fils de pute, viens et suis-moi dans mon épopée. C'est dans cette commune composée de 4 coqs, une vache et de son paysan que je vais vous montrer à quel point Sylvain est un petit coquin. Entouré de 4 murs, une fenêtre et un PC, Sylvain est un fin sportif. Tapant des sprints direction la chatte à ta mère. Chatte à ta mère, petite commune de France composée d'une boulangerie et d'un petit bar PMU. C'est franchement super cosy, allez-y. Sylvain est aussi un grand vidéaste, publiant main de vidéo allant du fameux petit scarabée à du sang sur les mains. Bien qu'illuminé, il en reste un homme. Un homme doté d'un arsenal de pensées qui conçoit l'hypothétique hypothèse que c'est un abruti. Déjà passons le balai des clichés qui le définissent. Him boy. Dans un premier temps, il faut que tu croies que je sache qu'il n'est pas con. Eh non. Étonnant soit-il, Sylvain n'est point un abruti. Et oui, c'est tout simplement une hallucination collective. Si je te dis que Sylvain possède un diplôme d'ingénieur et qu'il a travaillé pour le groupe Vivendi, une fois propriétaire de Canal Plus et d'Universal Music Records, me croiras-tu? Eh bien, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est marqué sur Internet, on sait tous que tout ce qui est marqué sur Internet, bah c'est vrai. J'arrive, je vais me couper l'ongle. Effectivement, diplômé dans un premier temps d'un DUT en informatique après réorientation de son flop sans avenir de flûtiste professionnel, Sylvain a cumulé les petits boulots, que ce soit en tant qu'ingénieur d'affaires, directeur associé et de directeur de projet pour les plus grosses boîtes françaises. Il a rapidement décidé de redevenir étudiant en l'espace d'une année à la Montpellier Business School. Qui pour moi n'avait pas la fibre Waller. Étude réservée à l'élite des ingénieurs qui occupent des fonctions clés dans les grosses entreprises. Dommage de faire tant d'années d'études pour au final créer un gouvernement cosmique fictif qu'il tente d'instaurer avec un budget composé d'un bâton et d'un ciseau. Même moi je peux faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Si on revient sur son parcours professionnel, le gros du gros s'est passé entre 2000 et 2001, où il travaillait dans la section scout de Vivendi, une fois. Un genre de 118-218 de l'information. Bon, évidemment, je te cache pas qu'en 2002, Vivendi connaît la hesse. Scout, dû à son flop en Angleterre, a fait chuter les actions de la filiale Europe, détenue par Vivendi, une fois. Et cela fit perdre un petit 24 milliards d'euros à l'entreprise. Et donc on en revient à notre lutin, qu'a-t-il bien pu lui arriver? L'a-t-on viré? Est-il parti de sa propre initiative? Ou alors est-ce que son CDD a tout simplement expiré? We need some fucking answers.
En tout cas, une chose est sûre, il est parti étudier une année chez la fameuse Hall of Fame des ingénieurs de France. Pour finir entre 2003 et aujourd'hui à galérer à payer une facture d'électricité. Bien entendu, Sylvain n'a pas disparu. Il a ouvert sa société nommée Elvita, s'occupant d'édition de logiciels, donc encore et toujours sur de l'informatique. En corrélation avec ses études en informatique, bravo! Rien à voir alors avec ce qu'il appelle une sorte d'association. Mais alors comment se fait-il qu'il soit passé d'un CV totalement sérieux à un CV qui part de soucoupe de cristaux cosmiques ou encore de cité de lumière? Je ne vois qu'une seule solution. Sus. Mais alors à quoi rime cette partie et comment la lier avec le reste de ma vidéo? Eh bien selon mon cabinet de chers experts, Sartek, ses expériences de vente n'excèdent jamais plus de 2 années dans la même entreprise. Sauf cas exceptionnel. Regarde le bon nombre d'années où il travaille dans une entreprise sans être stagiaire. 1-2-1-2-1-2-1-2, le bâtard c'est du binaire. Conclusion, a-t-il du mal à s'acclimater ou est-ce un réel illuminé? 2 ans, ça me paraît assez long pour cette hypothèse. Car bon, s'il était réellement un illuminé, aurait-il eu des postes d'importance? Et pourquoi ne l'a-t-on pas viré avant la fin de sa période d'essai? Mais attention, on prend toutes ces informations avec des pincettes, parce qu'un mec au McDo qui retourne des steaks est rapidement un CEO du McFish. Ça tombe, Sylvain, il amplifie son CV alors que c'était le mec qui te demandait au service client de rebrancher ta box. Mais bon, tralalère et conifère, l'image qui se donne est celle d'un ermite qui ne comprend rien à rien et qui pourtant est assez sûr de lui. Mais avez-vous déjà entendu Sylvain? Non, je répète ma question, est-ce que vous l'avez réellement entendu? Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Il s'exprime avec beaucoup de ludisme et d'imagination. Est-ce qu'un vaisseau de la Vierge Marie l'a enlevé? J'en doute, mais ce vocabulaire entre guillemets élaboré est ce qui déroute la plupart des idiots. Alors on s'en vient à se poser la question, est-ce que Sylvain est un gros troll? Alors, il y a plusieurs raisons qui mènent à croire qu'il troll depuis le début. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que Sylvain est l'image de ton père qui veut rester jeune et qui veut s'approprier ton univers. Imagine que tu regardes un mème et là, que nenni, Sylvain partout, Sylvain même dans ton trou. Ah là là là. Le petit Sylvain a déjà fait quand même du shooting star, des danses filmées par des proches et des gros sprints filmés à la Get Out. Et à côté, il y a ces cadreurs qui effectuent des gros zooms sur sa gueule, en mode y'a un cratère sur la lune. D'ailleurs, John, dont je soupçonne être derrière cette grosse mascarade, ces derniers s'occupent de même, du what the fuck, du cadrage, pour mettre le plus en avant leur soi-disant oncle pour leur mémoire de fin d'année. Et encore là, c'est que de l'hypothétique hypothèse. Autre moment qui montre que tout est réfléchi sur ces vidéos, penses-tu qu'un gars au cerveau adapté dans le genre Jo Arnaud va se préoccuper des cuts et des paroles qu'il va prononcer? Tant de monologues, tant d'arrêts. Tant de monologues, tant d'arrêts. Je vois juste un gars qui a pris son texte par cœur et qui profite des quelques cuts que lui octroie sa vidéo pour se souvenir de sa prochaine partie. Attends, c'est moi ça? Et quand vous l'écoutez, vous voyez qu'il ne se concentre pas à parler de son voyage spirituel, mais il se concentre sur le fait de dire le plus de choses déstabilisantes pour encore une fois dérouter les plus simplets. Moment de lucidité et youtubeur de son âme, Sylvain est du genre à connaître tous les codes de la plateforme. De par une publication de vidéos lors de gros événements d'actualité, comme les attentats de Paris ou du précédent Charlie Hebdo ou encore de la fin du monde des Mayas, aurait-il pris l'occasion de s'afficher à la télé à un autre moment que dans une grosse période d'actualité? Je repose ma question, est-ce qu'un mec qui croit qu'il est le représentant cosmique de notre planète pourrait jouer sur des facteurs déterminants comme le partage facile de mèmes ou encore la mise en avant grâce à l'actualité pour un mec qui est soi-disant déjanté? Peu de chance. Mais le saviez-vous, Sylvain n'est pas sorti de terre complètement au hasard. Je pense qu'il s'est même inspiré à l'étranger. Plagiat ou inspiration? Sylvain n'a pas inventé entièrement son personnage et je pense que c'est plutôt une coïncidence, un facteur chance ou encore une aubaine. Connaissez-vous Sundra? Compositeur, pianiste et j'en passe, Sundra était l'une des premières personnes milieu fin 20e siècle à glorifier ce que Wikipédia appelle la philosophie cosmique. En effet, comparaison soit-elle, Sylvain et Sundra n'ont que point commun. Sundra était attiré par la mythologie égyptienne, construisant alors son personnage sur une histoire de combat contre le mal afin d'endiguer le chaos. Sylvain a fait un conservatoire de musique après le lycée, et je pense que c'est à cette époque qu'il fit la connaissance de Sundra, qui je le rappelle était musicien. Tandis que Sundra affirmait qu'il était un ange, Sylvain lui était Merlin, chanteur, Oriana ou le grand monarque. Tandis que Sundra s'est fait enlever par des extraterrestres l'emmenant sur Saturne étant enfant, Sylvain lui vit danser sur son lit des singes et des serpents, sans oublier le hold-up par les vaisseaux de la Vierge Marie à l'âge de 5 ans. Tandis que Sundra devait vaincre le chaos de son art, Sylvain, lui, devait établir la paix entre les mondes. Plagiat ou inspiration? Corrélation ou dissonance? Pute ou pute? Et après tout cela, venir tel est ton but pour me poser la sainte question, t'es qui poteau mon poteau, appelé communément pourquoi?
Alors déjà c'est faux, moi je veux la paix entre les mondes. Nique ta mère. Comment alors peut-il gagner en popularité? Comme précédemment, cité en étant tout ce que la société rejette, car il est différent. C'est pas par hasard qu'il possède un Twitter. C'est pas par hasard qu'il est informé sur ce qui se produit sur le net. Paradoxal pour un mec qui vient d'avoir la cinquantaine, là où mon père galère à résilier son abonnement Netflix. Ce n'est pas par hasard qu'il donne son avis sur un gros sujet d'actualité. Tout cela pour engendrer plus de popularité. Et peut-être pour promouvoir sa secte Elvita, sous couvert d'une société qui vend des logiciels. Le petit malin, petite association, secte ou entreprise dont le financement reste modeste. Ah là, on parle de quelques petites centaines de milliards d'euros. Oh, une OP, c'est bon. Popularité, oui, mais pas que, parce que cette dernière corrèle aussi avec un dernier aspect. De par son récent célibat, il profite de sa notoriété pour amener quelconque femelle. Tout ce qui est copine, tout ce qui est femelle, voilà. On ne manque pas de screen où il essaye de draguer femmes et crustacés, screen où il essaye de draguer des soi-disant mineurs, bien que rien ne le prouve. C'est peut-être juste des filles qui le prétendent, ou alors c'est devenu, vous savez, le bouche à oreille déformé, le fameux téléphone arabe des réseaux sociaux. Mais attends, alors, si j'ai bien compris, c'est quoi son but? Second poteau pavard. De développer son entreprise ou son association, ou alors de dérouler son phallus. Le mec, c'est un tapis rouge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il utilise moult stratagèmes pour arriver à ses fins, que ce soit en prétendant être l'entité cosmique de ses vidéos pour pouvoir impressionner sa prochaine, culte de la personnalité, tu connais. Fait-il alors ça uniquement pour l'amour de la gloire? Peut-être. Mais il y a aussi là. Sylvain ne cherche pas à développer son projet de monde en paix, il cherche de la notoriété prioritairement, qui à ce jour reste son principal projet, car il n'a pas assez de thunes pour financer son projet Elvita. Enfin pardon, pour financer son entreprise grâce à de généreux donateurs. Youtubeur de son âme, Sylvain est aussi prédisposé à faire quelques vidéos sponsorisées. Vidéo. Il est aussi amené tel un youtubeur à vendre des dédicaces. Wesh gros. Ses demandes sont claires, pour toute forme d'interview il demande la moula, la grosse moula, facturant alors 666€ de l'heure, soit 5000€ la journée, plus hôtel, plus la nourriture et transport dont il a la délicatesse du choix. N'oublions pas le fameux je veux un film avec un budget de 2 milliards, tout cela sous la directive d'un des 4 fantastiques, Lucas, Spielberg, Neeson ou Cameron. C'est encore un gros troll, évidemment. Il avait juste la flemme. Quand tu compares le prix qu'il a demandé à un jeune fan au McDo qui voulait un autographe, tu comprends qu'il ne voulait tout simplement pas faire l'interview. Je cite, 5€ la photo, 10€ le selfie et 30€ l'autographe. Bon, je dis rien, c'est toujours 6€ moins cher que la dédicace de ton youtubeur favori. C'est pour participer à la gouvernance pacifique et le Donc, vous pouvez être avec moi sur la photo du bureau et tout seul. C'est bien. Du coup, j'ai pas d'argent sur moi, je comptais filmer. Je vais signer alors. Un autographe, c'est 30€ l'autographe. Alors non, déjà tu ne finances pas ta gouvernance pacifique, tu finances juste la boîte de conserve qui est à l'arrière de ta voiture et tu finances aussi tes factures d'électricité. C'est ce qu'on appelle communément un déchet. Psartek et pastèque, on va faire une bonne salade de truies. S'il voulait réellement la paix dans le monde, aurait-il demandé de l'argent? Alors qu'on sait pertinemment que cet argent va lui servir à payer son ADSL. Mais bon, assez cocasse pour un mec qui vend des logiciels de ne plus avoir internet. Ingénieux l'ingénieur. Il aurait pu devenir avec le temps le fameux gourou issu d'une secte qui broie les os de ses assaillants. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Son problème, c'est que tout le monde se fout de sa gueule. Et personne le prend en sérieux. Il reçoit que dalle et le peu de vidéos qu'il produit n'atteint jamais plus de 15 000 vues par vidéo. Et non, j'ai vérifié, c'est pas la chaîne de David Lafarge. Très 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 bien, félicitations. Malgré lui, sa popularité a fait qu'on ne le croit pas trop. On fait souvent des blagues sur sa mort. Certains ont même posté sa photo lors des attentats de Paris le 13 novembre en disant qu'un mec a perdu son oncle. Chose qui est passée au JT australien. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sylvain n'est pas méchant, il n'est pas con non plus. C'est une personne avec beaucoup de lucidité qui a su jouer de sa notoriété pour devenir ce qu'il est. Même si sa flûte de pan lui permet de jouer du pipeau. Il a construit un mème ambulant sur des légendes déjà existantes. Dommage que certaines personnes soient tombées dans le panneau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est très difficile. Maintenant, je ne suis plus en cours, je travaille, j'ai une autre société à gérer et c'est complètement compliqué. Je fais 7h30, 17h et après j'essaye le soir de faire les vidéos, mais c'est énormément compliqué. Ok, ma date de publication n'est pas aussi incroyable, mais j'essaie de vous sortir quelque chose qui me paraît assez fini, même si c'est éclaté.
Si jamais la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner. Et pour ceux qui m'aiment un peu trop parce qu'il y a beaucoup trop d'amour, je vous redirige vers ma page Utip. Vous connaissez le principe, c'est gratuit, ça me soutient et ça prend aussi 3 secondes. Allez faire un petit tour si vous avez envie. Sur ce, à plus dans le bus et moi je me casse pour une prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like, ho ho, abonne-toi, enterre tes morts, suce ton père.